വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Dieu soit loué. Ok, on va suivre quelques témoignages. Oui. Bonjour ma soeur. Bonjour. Pouvez-vous nous donner votre nom ainsi que votre adresse? J'habite sur mon nom à Météo 2. Mon nom c'est Mireille Kanga. Oui soeur Mireille, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens remercier Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie et celle de mes enfants. J'avais amené mes enfants ici, ils venaient de Kinshasa pour qu'on prie pour eux. Parce que mon ex-mari était en train de les maudire à chaque fois. Et le pasteur a prié pour nous. Et tous les enfants, les autres sont retournés à Kinshasa. Et moi, je suis restée ici. Comme j'ai toujours eu l'instabilité sociale, de déménager à chaque fois, même à Kinshasa, et c'est arrivé jusqu'ici encore. Et quand ma fille est rentrée à Kinshasa, elle habitait avec un blanc, juste sans mariage. Et à son retour, son mari l'a demandé en mariage. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Vous voyez? Depuis... Elle était avec le monsieur et vivait sans mariage. La maman fait rappeler tous les enfants ici. On a prié le Seigneur. Gloire au Seigneur. Dès qu'elle est rentrée, Dieu a touché, monsieur, tu ne peux pas rester avec ma fille comme ça. Tu dois l'épouser. Alléluia. Oui, oui, ma soeur. Je remercie Dieu depuis que le pasteur a prié pour moi. Dieu m'a délivré et maintenant ma fille qu'on a demandé en mariage. Elle m'a acheté un terrain ici à Lubumbashi. Wow. Ah. Alléluia. Et Dieu soit loué. Écoutez, ma soeur, Dieu qui vous a donné le terrain a déjà prévu la provision pour que vous puissiez construire votre maison sur le terrain. Amen. Vous croyez? Oui, je crois. Hein? Je crois. Vous voulez que je vous donne la provision? Oui, je le veux, en tout cas. Alléluia. Et Dieu soit loué. Nous, on n'a pas de choses matérielles à donner. Les matériels passent, mais les spirituels demeurent. Et quand on te donne ce qui est spirituel, en fait, l'onction, c'est l'onction qui nous rend capables d'avoir les choses visibles, matérielles que nous cherchons. Alléluia. On ne vit pas sans terminer votre... Vous avez terminé le témoignage. Terminez votre témoignage et puis je vais vous donner la provision pour construire la maison. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Toi aussi saisis par la grâce au nom de Jésus. Saisis la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne m'a pas dit que je ferai une église de locataires. Non. Si tu es là et que tu as déjà donné même 100 francs pour contribuer à cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce
d'être propriétaire de terrain au nom de Jésus. Ah, si tu es locataire maintenant là, ne t'en fais pas. Vous locataire, vous n'êtes pas. Au nom de Jésus. C'est une affaire d'onction, ce n'est pas une affaire de comment ça va se faire. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas notre problème. Rien n'est impossible à Dieu. All right. Venez, venez, venez. Père, merci pour ce que tu as fait pour ma soeur et sa famille. Merci pour le terrain que tu lui as donné. Je demande, donne-lui maintenant la provision pour qu'elle construise sa maison, qu'elle soit stable au nom de Jésus. Jesus mighty name. Fini. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Jambo dada. Jambo sana. Munenzi utelezea njina yenu na fazi munikala. Jinangu ni Rolande Rema, minikala muaveni, kasavubu kwe Kambove. Dada Roland, ni mambo kani mulikuwa nayo? Jambo kubwa ambayo inanituma ni kenshukuru kubwa Mungu mbele macho yenu ni kupitia uponyaji. Ya kwanza yapita miezi tatu sasa mamali nitaka kaniambia niko mgonjwa kama mnaweza niombea. Nikaandikia pastor message nikamwambia papa pastor kama mnaweza niombea msaidie mama kwa maombi juu alishaziba masikio hasikie tena na kazi yenye anafanyaka njo gharama ya ndugu zangu huko Sud Kivu. Njo pastor kanitumia audio ya prayer pour la guérison. Aligonjwa asisikie tena. Masikio ilifunga? Ndiyo. Okay. Nikasema nikisikiliza ile ile maombi ile pale pale mama naye atapona. Na nikachukua uamuzi mama kinita kwenye simu na kunielezea kama amepona. Nitashuhudia ukuu wa Mungu lakini sikushuhudiaka. Nikasikia sasa mie njo masikio yalishaziba. Ndeza kuwa karibu yako kuna niita unaniambia mimi sikusikie. Sasa pale wewe ulisema vile mama aliponywa au mama alikuwa paka mgonjwa? Mama aliponaka na kanita kwenye simu juu hakukua tena ananiitaka nikimuita mloko wangu ndio alikuwa anapokea simu. Ananiambia mama hasikie tena na ilifanya mie semene mbili. Nikasema akiniita tusipotaniita yeye peke yake ananielezea nilishapona mimi naanza sikia ndashuhudia. Mesikushuhudiaka. Njoo mi peke sasa nikakuwa masikio yangu njoo kaziba. Sasa pale we masikio yako inafungwa ulifanya nini njoo Mungu na yeye akutunze? Niliendelea kusikiliza ile maombi na nikaenda nakiri kwamba kupitia vidonda ya Yesu nimepona na nikasema nikisikia bia na mimi ndashuhudia uko wa Mungu. Sasa hapa masikio yako unasikia je inafungwa au ikingari paka vile? Hapa naisha pona na ndio maana mimi nashukuru kwa Mungu. Acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué. Et elle est soignée, elle est soignée. Je crois qu'elle a dit ceci, si j'ai bien compris. Sa mère était malade au point où ses oreilles n'entendaient plus pendant 2 semaines. Alléluia. Elle a appelé l'homme de Dieu qui lui a envoyé la prière sur WhatsApp. La prière de guérison. Et elle s'est dit, comme maman n'entend, ne peut pas entendre, comme ça, moi je vais entendre cette prière à la place de maman. Et je crois que quand je vais entendre à la place de maman, là où elle est, elle va être guérie. Et si elle est guérie, c'est elle-même qui va m'appeler pour m'annoncer qu'elle est guérie. Il s'est fait que Dieu a opéré le miracle. La mère a été guérie. Elle a entendu. Et elle a appelé sa fille. Mais la fille a oublié qu'elle avait dit à Dieu, je témoignerai. Alléluia. Maintenant, quelques temps après, c'est elle qui sent cette attaque de maladie qui a commencé à boucher ses oreilles. Alors elle a pris la même prière, elle a commencé à entendre et le Seigneur l'a libérée, l'a guérie. Acclamons Jésus. Voilà. Dans une ville, hein? Dieu, papa. Ok. Gloire au Seigneur. Les soirées bora j'écoute. Ndio dada. Ya pili ni kunihusu binafsi. Nilifas juma mbili nilikuwa sishimame, mgongo ulikuwa unaniluma, tumbo na kichwa. Nikaandikia papa pastora message nikamwambia mchungaji kama ungeomba neema kwa ajili yangu juu ya baba yako.
nisikie bien nitamshuhudia. Papa pasteur akaniambia ndakombea dimanche. Dimanche nilikuya, papa pasteur aliniombea. Nikarudia kunyumba lendi sikushimama tena. Sikuweza hata na juma yote liisha vile hata dimanche sikufika kukanisa. Nikasema juu nilikuwa na ile mpango nikasema tu papa pasteur akiniombea tu itakuwa njo okazio ya mie kushuhudia na ile ya mama na yangu. Me dimanche sikujaliwa neema kufika kanisani juu sikujisikia kabisa. Sikukua tena na shimama. Mimi nashukuru Mungu juu leo niko mzima, nishajisikia bien, nilishapona. Makati ile jume lifika nilikuwa shizishikie bien, nilionana na mganga nikamwambia magumu ya nilikuwa nayo. Akanituma kwa farmasi nikauza dawa. Nilikuwa natia dawa, aliniambia dawa mbele nitie ni trempe mu mai. Me sikukua na trempe mu mai, nilikuwa na trempe mu huile d'onction. Mimi nashukuru Mungu ananiponya. Leo nakiamshuhudia. Acclamons le Seigneur Jésus. Et Dieu soit loué. Oui maman. Jambo yenu mama. Jambo sana. Mama munezi tupatia njina yenu na fazi munikala. Miniko Toto Yav, mine kalaka mkartie kimpwa. Mama Toto ni mambo kani mulikuwa naye. Mina mshukuru Mungu mbele ya taifa ya Mungu. Mungu ananitosha mambo ya nguvu sana. Nililala, mina lamuka, mina lota busi yangu inafanya accident. Inakonga mumotoka ingine. Ilesa mina lamuka, miriomba vile papa nasema kifoko omba sana, miriomba. Busubui tena mina omba, meroi kuna nituma sima nyende nikawendele mabusi yangu menirisabu. Mina kwa distrait kishiwende mina sabu papa. 21 heures bwana nyambia sima busi nafanya accident ya nguvu sana. Inakonga 3 voitures. Inakonga voiture moya, ile voiture inakonga ingine, ingine inakonga ingine. Ile sabu kona niita mina shikia mbele boka. Mina la muka, minaenda motoka, mina wakutanisha bantu bwako na batosha, bwako na baweka mumami otoka, bwako naenda kumopital. Bwana nyambia murukua 22 personnes. Sur 22 personnes, 5 personnes sont hospitalisées pour Victoire. Il est ça, il est mililota, mililota. Tout qu'on a fait pour Kimbia, na bus, mais ba pesseur, ba na kouye. Effectivement, il est ça, ba na konga, ba le ba motoka, ba le benye ma motoka, tatu, ba le nyambia si ma mama. Tosha bus, ya ko tende tuka sikilizane. Le temps tout qu'on a fait pour tosha bus, et tout pesseur, na kouye. Pas qu'à venir mililota kundoto. Mile saba pesa riba nakuwa bale ba mami otoka tatu bana kimbia lwa bo banenda. Bana se aa mama utupatia paka manimero yako ya matelefoni shia tutakufuata. Shia tutenda kupesa. Bisi yangu inenda kupesa. Sasa ba kupesa riba kuna nyuguse sasa mama unafanya accident na banani. Uwana jiretruvo kuwe moyo. Shikuba jibu kintu. Mile na paka bisi bana nyebeba. Tunenda ti kulo kumami kuba moto nini kulo kuespoir kuku 5 person. Tunenda kuangara 5 person barikuwa malari. Bakupasuka umo, bakufunji, bakumukulu, mukulu mkuna umo, mikono kuna umo. Donc papa barikuwa gravement. Mina lamuka. Mina enda kunyumba papa, mina enda kuverifie, assurance isha kuishi. Mina se, sasa mina kufu. Mina anza kuangaria, sasa mita anza je, niku na 3 voiture, niku na 5 ba mhopital. Mala moya, busiku nesa mina lala, mina omba. Mungu mina kushukuru, juru kwenye kunyambia. Mina omba mbele pardon, mishu wendre mautokuri nye ipu, nyasi ni wendre mina sabu. Mungu asiransi isha kuisha, mewoku asiransi, unisaidi. Mina lala, mina lamuka, mina mona papa, mina monaka papa nekaka tujuru wafura. Isha monaka mwenye kushiriki. Umushingishe? Umushingishe papa. Unanilotaka paka wafura. Apana, usha kushirika moya. Isha. Unanilotaka paka wafura. Apana, mina kulotaka, mina konaka wafura sana. Wafura, me umushingishe? Umushingishe papa, usha ushirika sana. Mina sema mama. Mina saweka will donction awake. Hallelujah. Oui. Sasa, ilesa kubushingishe usha kuya, njyo sasa kuna nita. Wala nyambia sema sasa ombeo tunakuwa sa mhopitali. Waze kuombea mtu moya moya. Mile sa mina fika mina za kuombea bantu. Niko naomba muruga mwa misha yombaka. Mina za kuomba unanikatisha. Unaomba hii mina okata. Mina kesant personi yote inaishi. Mina omba mule muruga misha yombaka. Mala mwa mina konisha se papa. Kuna bakia sasa ba mhopite bale ba ma. Ba ma nani 3 vaturi yewe faksida. Unanyangara se bale ba ma vaturi bako kumisi. Mina shutoka kubushingishina mshukuru Mungu na semika mina mlota papa.
kunaisha mambo naisha mimi nakushukuru sasa busubui nienda sasa niangalie ba hospitalo bale ba 5 mimi na baona papa amboni sante abana tena vile mimi baona mimi nasema Mungu shukuru mimi na sasa nasema tumshukuru Mungu aseme eh tunaanza kushukuru papa ile ruga ile niliomba kasha omba inatoka hospitalo hospitalo mimi nasema mzuri mimi nakata nasi tuendeni ule pesa na nitasema mama njua kufanya nguvu yote ba kusaidia una na sira sifo ba fama examen ya bale bote ba 5 ba fama radio juu batakuwa kulenda bana fama accident fa shingine bana kwa kusema anyway tunaenda kufanya examen yote très bien hakuna wa kuvunjika hakuna wa nini bote beko bajima mina babeba mina bapeleka kwangu tunashukuru Mungu mna senjo kwangu mwaba msha kwa batoto wangu deja kama muna problemu muna kuya tunasumburia banenda sasa mina bakia sasa na bale bami otoka kuna mwaya na kwa sema mamoni pache tu $50 ima mtu bingine mimi nye mitongezi maka ilikuwa grave natusha $50 muna mpachi mwingine na yana inaishia pale inaishia pale anenda shiku yona ta motoka papa minona wapili na yana kuya sema ma naba mpitalo na uwe mwenyewe natokia kufisha buwana mina shika buluma soni mpache tu $50 mimi takungeze mina mpache tena $100 anenda mishiku yona ta motoka Mwaya alikuwa na motoka mwa mzuri sana. Ilikuwa hii ma marque ya sasa VW ma Mercedes VW hii ma volant droite. Yana katala. Ala semi ni kunaenda paka kwa Nazem. Anafika kwa Nazem anaangalia $1000. Je, kutengeneza hiyo? Ah eh. Anakuwa ananiambia mama mimi makutapanga paka $10 $1000. Asa mimi na jirani ndio continue sasa niko na msakoshi $100. $1000 ndio tosha pina shika yako mwambie sasa na $100. Njoo mimi nampropose ni sema papa kuna kuna mna tuende fresh moye vipi kwa garage. Kule kwa garage wanaanza kutengeneza ile motoka. Anafika tunaanza kwenda naye. Sasa ule mwenyewe ule tunaanza kwenda naye papa ni mtaba. Na motoka yake mzuri tunaanza kwenda tunapita pa ville. Tunaanza tu kwenda na shughulika tunaona tu taba. Anasema mama hii makatuba hii hapana. Njoo mimi na mwenye sasa ina katuba ni taba. Asemi bio bi moya. Motoka yangu itaenda kule. Sema mama ngara mbele ya motoka yanze kwenda kutaba. Mimi ni kala na sister fachi na si papa. Tulikuwa na mtu mmoja na sisi fasa tunaenda yeye tuangalie tu kama tunaona sana papa tutarudi. Après quelques temps tunafika quelque part. Tunamuita ule mwenye mtu. Yule mwenye mwanaume anakuwa kufanyaka nani nini? Ando tumika kwa Nazem na mfanyaka contract kwa Nazem. Kumbi ile saa inaenda kwa Nazem. Ule bwana njoo barita wa kwanza anakuwa kwa kuverifier ile ma constat yote ya $1000. Njoo ule tunao kuona tena tunaenda kumfuata ule mwenye kule kuwake kutaba. Ule saa bwana anaona ule bwana sasa ah. Si njoo alikuwa kwa Nazem na si njoo vile mimi nilikwambia papa. Mina muna sana jikalme. Ule bwana anafika na angari. Sasa alikuwa deja shakuya makatusa mina muna anashimama na nyulize sema mama papa alikufa nini na sasa alikufa na tazo mina mwexplique bio alikufa. Sasa okay. Mina muna nazo tosha mabintu kule. Sasa naweza kutosha je tu yasikilizana naye. Njoo mimi namfuata kule kumpimia mimi na sasa papa. Sasa muna tosha tu yasikilizana na wewe biku je. Ananiambia pana mama, wewe leta tu $50 ubapatia baba na huyo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hey! Asa wewe leta tu $50 uba motiver ya baba garso ba kutemeka. Mimi na prendre en charge una tokia mukiri wa sasa. Hauna na makuta mimi na prendre en charge motoka. Banduku mimi shukuru Mungu. Mimi na ngarabu kubwa kwa Mungu mimi nasema Mungu ni chefu. Ah. Jo pale mimi na kwa kushukuru kubwa kwa Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des gloires. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. La leçon que nous devons apprendre, la première chose, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais tel qu'il a dit. Ne diminue rien, n'augmente. Il est venu, il a prévenu à la soeur, à la maman, attention, il y aura un accident. La maman a fait sa part, elle a prié, elle a brisé, elle a arrêté. Dieu lui a donné une instruction. Où est tes véhicules?
Shetani na yana tembele hapo pale. Alléluia. C'est quand même arrivé l'accident. Dieu n'a pas arrêté d'intervenir. Gloire au Seigneur. Elle est rentrée, elle a prié la nuit. Le Seigneur est revenu encore et lui dit, tous ces gens ici, tu vas prier pour eux. Je vais les aider. Alléluia. Même les autres là des véhicules, je vais intervenir. Oui, maman. Mina shukuru tena bokupa bwa Mungu njuba le barifanya accident ba 5 balles. Bala nyuza mama nomba ka wapi? Mina se mina mbaka kwa merci. Fosika ni mu golf tutakuwa mbele ku visiter. Tulikuwa na hapo bana visiter, hapa ni mna shukuru bokupa bwa Mungu beko musala. Bote 5, mina shukuru bokupa bwa Mungu. Merci Jésus. Alléluia. C'est ce que Joseph avait dit à ses frères. Vous m'avez voulu du mal. Dieu a changé le mal en bien. Alléluia. Na wewe bubaya bibaya bote bana kutakia. Mungu anabipindula leo. Utakuwa vizuri. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Hi my sister. Hello. Bonjour. Yes, my sister. Can you give us your name and your address? Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre adresse? My name is Miriam, staying in Bel Air. Mon nom c'est Miriam Ilunga. Yes, my sister. What was your problem and what God did in your life? Quel était ton problème et qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, ma sœur? My problem was this. Last year, December. I went to give birth for this baby. Mon problème était que l'année passée, au mois de décembre, j'avais donné naissance à cet enfant. When I reached there, my BP was very high. Quand je suis arrivé là, ma tension était très haute. Then they have to take me to theater. Et on devait m'envoyer à la chambre d'opération. Then from there, I give birth. À partir de là, j'ai donné naissance. The baby should not cry. Les bébés ne pouvaient pas pleurer. Not any moment, not even open their eyes. Elles ne pouvaient même pas ouvrir les yeux. She did not cry, not any movement, not open the eyes. Mon bébé ne pouvait pas pleurer, elle n'a même pas ouvert les yeux et elle ne pouvait même pas bouger. So I have to call my family. I call my mother, my sister. She's the one who used to come here. J'ai appelé ma maman, ma sœur qui prie aussi ici. J'avais appelé ma famille. Then my sister sent me the anointing oil. Et ma sœur m'a envoyé l'huile d'onction. She said you must apply the baby. Elle m'a dit que tu devrais commencer à appliquer l'huile d'onction sur le bébé. But there in South Africa. Là, en Afrique du Sud. When you give birth, you don't stay with the baby. The baby must stay separate with the mother. Quand tu donnes naissance à un bébé, on vous met dans des chambres différentes. Vous ne restez pas ensemble. And the nurse has to take care of the baby. Et les infirmières devaient prendre soin de l'enfant. So I can't apply the anointing oil. Je ne pouvais pas appliquer l'huile d'onction. Then my sister asked me to send the pictures on WhatsApp. Alors ma sœur m'a dit d'envoyer la photo de l'enfant. Then I sent to her. Et j'ai envoyé cette photo. Then she came here. Et elle est venue ici. Then she prayed and she showed the man of God. Et elle a prié pour ça et puis elle a présenté ça à l'homme de Dieu. Then she phoned me. Et puis elle m'a téléphoné. She said you must have a faith. Tu dois she avoir said la you foi. Must have a faith. Don't worry. Ne te préoccupe pas pour ça. Everything will be fine. Toute chose sera bien. So I was there after 5 days. Après 5 jours, I went there. Je suis arrivé là. I asked the nurse. J'ai demandé à l'infirmière. Can I birth this baby? Est-ce que je peux avoir ce bébé? They said this blind baby because everyone was calling me that there's a blind baby there. Le bébé était aveugle, il n'y avait pas moyen de l'avoir. Tout le monde then I said yes. Cet enfant là aveugle. Then I said yes. Oui, j'ai dit oui.
Then I bathed the baby. Et puis j'ai lavé le bébé. Then I applied the anointing oil. Et j'ai appliqué l'huile d'onction. Then I put the anointing oil in the eyes. J'ai aussi appliqué l'huile d'onction dans les yeux. Then I leave. Et puis je l'ai laissé. Yeah. After that. Après cela. The morning time. Le matin. When I go there. Quand je suis allé là. I found the baby open the eyes. Et j'ai trouvé que le bébé a ouvert les yeux. Yes, can I continue, my sister? The baby was not sucking. Le bébé ne pouvait pas sucer le lait. She was not moving. Elle ne bougeait pas. Not doing anything, not even open the eyes. Elle ne pouvait rien faire d'autre, même by pas the grace of God through my sister. Mais par la grâce de Dieu à travers ma sœur. When I applied the anointing oil. Quand j'ai appliqué l'huile d'onction. After 6 days. Après 6 jours, and the baby opened the eyes. Le bébé a ouvert les yeux. Then after 2 days, après 2 jours, she cried. Elle a pleuré. After 1 day, she started to move the leg. Après 1 jour, elle a commencé à bouger. One day, un jour, the doctor called me. Le docteur m'a appelé. The doctor said. Le docteur m'a dit. Madame, we are sorry. Désolé. The baby cannot make it. If she make it, si ça, elle doit survivre, then she can be a blind and she'll be abnormal. Et elle sera anormale et elle sera aveugle. Then I said, how? Alors je me suis demandé comment. Through operation. Après à partir de l'opération. And this baby will be abnormal. Cette bébé sera anormal. Then I ask the doctor. Alors j'ai demandé au docteur. If the baby is abnormal, how am I going to take care of the baby? Maintenant, si le bébé est anormal, comment est-ce que je peux prendre soin d'elle? Then the doctor said, no, we will teach you. Le docteur a dit que non, nous allons t'apprendre comment prendre. Then when I talked to my sister. Quand j'avais dit ça à ma soeur. My sister said, don't worry. Et ma soeur m'avait dit, ne sois pas inquiétée. Keep on applying anointing oil. And my sister, she keep on take the anointing oil to apply on the photo. Ma soeur m'a dit continue à appliquer l'huile d'onction et elle aussi continue à appliquer l'huile d'onction sur la photo. And today, et aujourd'hui, the baby is fine. Le bébé est important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Dieu soit loué. Wow, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Laissez-moi toucher cet enfant miracle. Can I touch your baby? Yes, you please. Toucher votre bébé. Oui, vous pouvez toucher, right. S'il vous plaît. Is a boy or girl? Girl. What her name? C'est une fille. Her name is Miracle Asia Noura. Wow. C'est Miracle Asia Noura. Seigneur Jésus, merci pour cet enfant. Merci pour ce miracle. Que son destin soit béni au nom de Jésus. Satan a échoué et il échouera toujours sur la vie de cet enfant. Merci d'avoir combattu pour elle. Et merci parce que tu combattras toujours en sa faveur. Elle sera ce que tu as dit qu'elle sera. Elle aura, elle ira partout où tu as dit qu'elle ira. Au nom de Jésus. She's blessed. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Si nous nous négligeons la puissance que Dieu a investie dans l'huile d'onction, quelqu'un d'autre de loin bénéficiera de ça. Alléluia. Si toi, lorsque tu prends l'huile d'onction, tu les trouves ordinaires, c'est de l'huile. On est souvent là qui sont belles. Alléluia. Il y aura des gens qui prendront des avions, qui paieront des billets d'avion juste pour venir et avoir ça. Je te le prophétise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Quand tu as la bouteille d'huile d'onction, dis au Seigneur, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-moi grâce de bénéficier de toute la puissance, de toutes les grâces
et de toutes les bénédictions que tu as investies là-dedans. Fais-moi grâce. Que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Jésus, parle-nous. Dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions mes bien-aimés. Ce moment t'appartient, Père. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Saint-Esprit, par ta grâce, communique-nous la foi nécessaire afin que par la parole de Dieu, nous recevions tout ce que le Père a préparé pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons parler ce matin sur la présence manifeste de Christ. La présence manifeste de Christ. Wapo wakuonekana wa Kristo wa Yesu. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Alléluia. Dieu est partout à la fois. Il est au ciel, il est sur terre, il est sous la terre. Il est partout. Même en enfer. Même dans le royaume des ténèbres. Il est partout à la fois. Il voit tout, il connaît tout, il peut tout. Mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Dieu est partout à la fois. Mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Il y a des endroits, même beaucoup, où il ne manifeste pas sa présence. Il est là, il voit, mais il ne fait rien. Il laisse. Gloire au Seigneur. Jésus est ici et nous allons parler de sa présence manifeste. Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 11. Je vais lire du premier au quatrième verset. Et puis je vais vous donner les autres versets après. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Gloire à Jésus. Verset 14. Alors Jésus dit ouvertement à ses disciples, Lazare est mort. 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Jésus était là. Mais il n'était pas là. Vous allez comprendre que Jésus, pendant que Lazare était malade,
Jésus était chez Lazare. Il connaissait qu'il était malade. Au point où quand la mort est arrivée, il connaissait que maintenant il vient de mourir. Il était là. Gloire au Seigneur. Mais il n'était pas là. J'espère que vous comprenez. Gloire à Jésus. Il dit ouvertement à ses disciples, Lazare est mort. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Waouh. Alléluia. Écoute mon bien-aimé. Quand tu as déposé tes CV de demande d'emploi, il était là, mais il n'était pas là. Tu as attendu qu'on t'appelle pour te donner le boulot. On ne t'a pas appelé. Jusqu'à aujourd'hui, je te parle. Et le Seigneur dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il n'a pas eu le boulot. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Alléluia. Quand tu as passé un examen et tu as échoué, gloire au Seigneur. Jésus dit, il a échoué. Jésus dit, il a raté un mariage. Il a perdu de l'argent. Il a été frappé par la maladie. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Dieu était là, mais Dieu n'était pas. Je veux dire, il était là quand ce problème-là t'arrivait. Il était là, mais il n'a pas manifesté ça. Présence. Que Dieu soit loué. Je continue ma lecture. Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je vais sauter. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivée, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Si le Seigneur était là, tu n'allais pas rater le boulot et devenir chômeur jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Si le Seigneur était là, tu n'allais pas perdre l'argent. Si le Seigneur était là, tu n'allais pas tomber malade. Si le Seigneur était là, tu n'allais pas avoir toute cette liste de déceptions. Il n'était pas là. Voilà pourquoi toutes ces choses-là te sont arrivées. Ces choses-là sur lesquelles tu regrettes et tu pleures et tu continues à prier jusqu'à aujourd'hui. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Gloire au Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu est partout, mais Dieu ne manifeste pas sa présence. C'est pourquoi il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. On dit, mais Dieu, pourquoi? Il n'était pas là. Que Dieu soit loué. Marthe dit à Jésus, verset 21, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je ne connais pas ton problème ce matin. Mais j'aimerais quand même que tu parles au Seigneur de ton problème. Si tu es chômeur, dis-lui, Seigneur, si tu étais là quand j'ai déposé les CV, je n'allais pas demeurer chômeur jusqu'à aujourd'hui. Dis-le au Seigneur, Seigneur, si tu étais là, je ne serais pas stérile. En ce moment ici, j'aurais déjà des enfants. Je ne connais pas ton problème, mais j'aimerais que tu t'adresses au Seigneur par rapport à ton problème. Dis-lui, si tu étais là, écoutez,
J'aimerais t'informer. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est réjoui de ceux qui n'étaient pas là. Mais il a dit aujourd'hui, alléluia. J'étais en prière, il a dit, allons maintenant vers lui. Allons maintenant vers elle. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi je t'ai dit, quand je t'ai posé la question, tu es dans la joie, pourquoi tu as dit le Seigneur est ici? Je t'ai dit, tu as répondu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé que Jésus est ici. Écoute, il n'est pas là comme il est là chaque jour. Aujourd'hui, il est venu vers toi. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que tu lui parles. Parle-lui, dis Seigneur, si tu eusses été là, j'aurais eu mon visa. J'aurais eu déjà mon diplôme. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu vas lui parler à haute voix. Une, deux, trois. Un. Oui. Ah, encore. Oui. Encore. Alléluia. Vous savez, un incrédule va se demander, où passer un jour, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Tu verras de tes yeux, mais tu ne jouiras pas. Alléluia. Il dit, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Verset 22, elle lui dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Suivez-moi très bien. Marthe dit à Jésus, maintenant là, je sais. Tu peux le dire au Seigneur. Hein? Vas-y. Alléluia. Jésus à la droite de Dieu, il parle au Père en notre faveur. Il dit, maintenant là, je sais. Je continue d'abord. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jésus te dit, le boulot, tu l'auras. Écoute bien aimé, je suis en train de te prophétiser parce que j'étais au trône. Jésus dit, le boulot. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui Dieu me met dans la bouche beaucoup de boulot, 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 boulot. Le boulot, tu l'auras. Alléluia. Le mariage, tu l'auras. Les terrains, tu l'auras. La promotion, tu l'auras. Les enfants, tu les auras. Jésus dit, alléluia, il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Marthe répond à Jésus, je sais. Vous savez, dans la bouche de Marthe, il n'y avait que je sais. Écoutez, peuple de Dieu, Dieu ne travaille pas avec la connaissance. Tu peux lire la Bible de Genèse en Apocalypse. Tu peux aller suivre la théologie. Je ne dis pas que la théologie elle est mauvaise. Je l'ai suivie et j'en suis même licencié. Alléluia. Tu peux connaître les noms de tout le monde de la Bible. Écoute bien aimé, Dieu ne travaille pas avec la connaissance. La connaissance est pour toi, c'est pour t'aider, pour que tu connaisses. Mais l'action de Dieu pour résoudre ton problème maintenant, maintenant, n'a pas besoin de la connaissance. Marthe répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts au dernier jour. Alléluia. Ce n'était pas une fausse connaissance. C'était la connaissance de la parole de Dieu que Marthe avait. Gloire au Seigneur. Elle connaissait la parole de Dieu. Mais Jésus, pour résoudre un problème,
Ton problème que tu as là, il n'a pas besoin que tu connaisses le nom de tous les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas besoin que tu connaisses qui a remplacé Élie quand Élie était enlevé. Il n'a pas besoin que tu connaisses le nom de celui qui a été le premier pharaon, le deuxième pharaon, le troisième pharaon dans la Bible. Alléluia! Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de la connaissance. Que Dieu soit loué. Amen. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, pas celui qui connaît. Aïe! La Bible ne dit pas que Jésus est le consommateur de la connaissance. Non, la Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia! Jésus a parlé avec Marthe. Marthe travaillait au niveau de la connaissance. Écoute bien aimé, Dieu ne va pas résoudre ton problème maintenant là, ton problème actuel avec la connaissance. Tu peux connaître la Bible de Genèse en Apocalypse. En train de citer les versets comme ça, ça sort. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui manifeste la présence de Dieu. Ce qui manifeste la présence de Dieu, c'est crois-tu. Alléluia. C'est comme ce matin, je viens de te dire, tu auras le boulot. Maintenant la question c'est celle-ci, crois-tu cela? Alléluia. Beaucoup de gens savent que Dieu est tout puissant. Beaucoup de gens savent que Dieu est omnipotent, omniprésent. Beaucoup de gens savent que Dieu peut ressusciter les morts. Beaucoup de gens savent, il le dit même à la bouche, il appelle à l'existence les choses qui n'existent point, comme si cela existait déjà. Ils le savent, mais la question de Jésus, crois-tu cela? Alléluia! Tu sais que Dieu est tout puissant, c'est bon, mais crois-tu qu'il est tout puissant? Marthe, répondant au Seigneur, je sais, écoutez, Dieu ne manifeste pas sa présence là où les gens savent, là où les gens connaissent. Alléluia. Tu peux avoir toute la science théologique, Dieu ne manifeste pas sa présence dans la connaissance. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Il dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. La connaissance reporte les miracles. Dis à celui à côté de toi. Il reporte les miracles. Jésus parlait de Atafufuka Samina Yos, Atafufukaka, en reportait. Moudjiz. C'est ça la connaissance. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nakokufate ngayoyo. Alléluia. Je ne mourrai jamais. Je vis au siècle. Je vais vous poser une question. Peut-être je vais vous scandaliser. Est-ce qu'Abraham est mort? Hein? S'il était mort, Dieu n'allait pas s'appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Devant Dieu, Abraham est en vie. Parce que Dieu là, là où je vous dis, tout de suite là, il est en train de le voir. Il cause même avec lui. Alléluia. Devant Dieu, les David, les morts, ils sont là avec lui. Ils sont en vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je ne mourrai jamais. Je vivrai. Alléluia. Right. Quand tu es chez toi à la maison, tu changes des habits. Ce n'est pas toujours toi. Parce que tu as changé des habits, c'est fini, ce n'est plus toi. Et alors, alléluia. On va juste déposer ce qui a été tiré de la poussière. Parce qu'on doit aller dans ce qui est spirituel. Alléluia. Que Jésus soit loué. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois.
que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Écoutez, peuple de Dieu, la présence de Dieu ne se manifeste pas là où il y a la connaissance. Ça c'est un. La présence de Dieu ne se manifeste pas là où les gens ont la foi, mais une foi générale. Jésus lui pose la question. Il lui dit, ton frère va vivre. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Crois-tu ce que je viens de dire ici? Elle répond autre chose. Je crois que tu es le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir dans le monde. C'était ça la question. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ont la foi. Alléluia. Alléluia. Je vois même des fois cette foi-là s'exprimer au visage. Quand je voudrais prier pour quelqu'un, quand je regarde les gens, ils croient. Ils croient que quand le pasteur va prier pour cette personne-là, elle sera guérie. C'est bon. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu te demande. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui Dieu va résoudre ton problème? Jésus ne lui a pas dit, est-ce que tu crois que je suis le Messie? Crois-tu que je suis le Fils de Dieu qui vient dans le monde? Non, il lui a dit, ton frère va ressusciter parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi va vivre. La présence de Dieu ne se manifeste pas dans cette foi-là générale. Il y avait un problème en ce moment-là. L'esprit des morts a visité cette famille-là. L'esprit des morts a détruit cette famille-là. Alléluia! Il fallait que Jésus manifeste sa présence, sa puissance. Jésus était en train d'amener Marthe sur le chemin, sur la dimension de la manifestation de sa puissance. La dimension de la manifestation de la puissance de Dieu, ça s'appelle la foi. La foi que Dieu va faire dans ma vie aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il va faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. La Bible dit, elle appela secrètement sa sœur et lui dit, alléluia, elle n'a pas crié, elle a parlé seulement à sa sœur, gloire au Seigneur, en lui donnant break news, nouvelle en bref, alléluia, le maître est ici. J'aimerais que tu te mettes debout. Cherche au moins sept personnes. Souffle-leur à l'oreille. Dites-leur, le maître est ici à MRC. Allez-y, vas-y, vas-y. Fais cet acte de foi. N'écris pas. Parle à sept personnes. Dites-leur, tu sais, le maître est ici. Keramana Soporoboskaya. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dès que Marie a entendu, elle a laissé toutes les personnes qui sont venues pour les consoler. C'était des consolateurs fâchés. Alléluia. Elle est sortie pour aller là où était Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoute mon bien-aimé, si tu as quitté chez toi la maison pour venir ici,
c'est parce que quelqu'un t'a soufflé, le Saint-Esprit t'a soufflé. Va et merci. Jésus est là. Alléluia. Tu es monté dans les taxibus, tu es monté dans, dans ton véhicule. Combien de restaurants tu es passé? Combien d'églises tu as laissé? Combien de personnes que tu connais tu as laissé? Tu es venu ici parce que quelqu'un t'a dit. Salut! Alléluia! Alléluia! Wow! Je vois les anges qui chantaient et dansaient. Alléluia! Je crois Marthe était en train de dire à Marie Kumpembeni. Parce que quand elle m'a en gouvo, ben il y a un mouache. Anja kutoka toka bia munyumba, mtu anataka kufisha ndugu yake kama waona na susi bakia nje. Alléluia. Elle lui a dit le maître est ici. Gloire au Seigneur. C'est quoi elle lui disait? Le maître des temps et des circonstances est ici. Celui qui peut changer les deuils en joie, la déception en réception est ici. Alléluia! Celui qui prend un pauvre du fumier, de la poussière, l'indigent, il le fait asseoir sur les sièges des grands, il lui dit celui-là est ici. Alléluia. Marthe a dit secrètement à Marie, ne reste pas sur place. Je crois que le deuil va se terminer parce que le maître est ici. Alléluia. Je suis venu comme Marthe a parlé avec Marie. Mais moi je ne veux pas de secret. J'écris au micro. Écoute, la déception peut se terminer. Le chômage peut se terminer. Le célibat peut s'arrêter. Alléluia. Alléluia. La pauvreté peut s'arrêter. L'échec peut s'arrêter. Pourquoi? Parce que le maître est ici. S'arrêter aujourd'hui. Alléluia. Toi qui as l'instabilité sociale, l'instabilité sociale peut s'arrêter aujourd'hui. Toi qui pleures, t'as ton deuil peut s'arrêter aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le maître est ici. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quel que soit le nom de la maladie que tu as. Alléluia. Tout le monde te regarde. Yo. Yo. Tu es au chômage. Tout le monde te regarde. En train de te donner une fausse consolation. Yo. Makaje yonekane. Yo. Tu es en train de passer. Tout le monde te regarde. Ya ya ya. Les gars d'abord. Yo. Yo. Yo, je suis venu te souffler à l'oreille. Laisse ces gens-là. Alléluia. Laisse ces gens-là. Le maître. La loi des lois. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu. Yeah!
raconter une histoire. Je suis venu te raconter ce qui est en train de se passer dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il lui a dit le maître. Alléluia. Marie s'est mise debout. Alléluia. Bien-aimé, n'écoute plus les gens qui te découragent. N'écoute plus les gens qui te disent rien ne va changer dans ta vie. Laisse-les, ne les écoute pas. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas rencontrer le maître. Que Jésus soit loué. Et ainsi parlait s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Aïe. Alléluia. Écoute bien aimé, le maître, non seulement il est ici, il te demande. Que Dieu soit loué. Je crois que Jésus a dit à Marthe, où est Marie? Comme il a vu Marthe. Où est? Comme il m'a vu la nuit. Il me demande, où est? Où est? Où est? Le maître est ici. Il te demande. Que Jésus-Christ soit loué. Je saute. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez mon bien-aimé, Jésus n'était pas là. Quand tu as perdu le boulot, Jésus n'était pas là. Quand tu as échoué, Jésus n'était pas là. Alléluia. Quand tu as été déçu, Jésus n'était pas là. Il s'est réjoui de ce qui n'était pas là. Parce qu'il savait qu'il y aura un jour où il va maintenant venir être là. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement. Alléluia. Je vois que les anges sont en train de dire Ishambio. Ishambio, tu l'attaques en la kumuta fuchi à kasi. Alléluia. Je crois que le royaume des ténèbres est troublé. Il se demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Jésus la voyant pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, frémirent en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Waouh, alléluia. Où est-ce qu'on a mis ton étoile? Où est-ce qu'on a mis ta chance? Où est-ce qu'on a enfermé tes finances? Alléluia. Où l'avez-vous mis? Moulemoueka? Balikweka? Parce que mambo ya leo, Yesu atafika na kule balikweka. Yesu atafika na kule balipeleka makuta yako. Yesu atafika na kule balenda kufungia bati yako. Atani chini ya mai atafika. Atani kumakaburi atafika. Hata kama ni uroyomi ya shetani atafika. Hata kama ni kunganajika na kuwa atafika. Hata ni kuenda atenda ako. Bali kuweka. La sobredi ya sokero mono sando rabashika. J'ai envie d'arrêter pour comprendre. Mais je n'arrête pas, laissez-moi continuer. Je dois terminer toute la prophétie sur ta vie. Acclamons le Seigneur Jésus. Le verset 35, quand je l'ai lu, la Bible dit Jésus pleura.
Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, je souffre, ça ne va pas dans ma vie. J'ai dit à Dieu, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Il m'a dit, arrête. Il t'a dit que c'est sa volonté. Dieu, mon Dieu, c'est ma soeur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus pleura. Dieu n'est pas content quand tu souffres. Dieu n'est pas content quand tu n'as pas du travail. Dieu n'est pas content quand tu n'as pas d'argent. Dieu n'est pas content lorsqu'on t'humilie par ta belle famille. Les oprédias okeromonos kararos. Dieu n'est pas content lorsqu'on fait des complots contre toi. Dieu n'est pas content lorsque tu travailles beaucoup mais tu recueilles très peu d'argent. Dieu n'est pas content. Alléluia. Quand tu dors, tu ne sais pas dormir parce que tu es attaqué par la nuit par les sorciers. Dieu n'est pas content quand tu es malade. Dieu n'est pas content. La Bible dit, Jésus pleura. Machozi ya Yesu inatosha kamambo. Machozi ya Yesu itatosha mambo leo. Alléluia. Verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. On a amené Lazare au sépulcre. Je ne sais pas là où on t'a amené. Je ne sais pas là où on a enfermé ta chance. Je ne sais pas là où on a bloqué ta vie. Mais tout ce que je sais, mon Jésus va y aller maintenant. Il est en train d'y aller. Il est tout près d'arriver. Il va arriver maintenant. La Bible dit Jésus s'est rendu au sépulcre. Et c'était une grosse pierre était placée devant. Gloire au Seigneur. Jésus dit, ôtez la pierre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Angaria, temps à kirio chakwisha. Une temps à ma commandement. Alléluia. Ôtez. Laisse-moi te dire, alléluia, Dieu va aller à mining, il va leur dire, donnez-lui le boulot. Gloire au Seigneur. Jésus dit, ôtez la pierre, et Marthe dit, non, Seigneur, ça fait longtemps, 4 jours, il est là, il sent déjà tout ça. Jésus s'est tourné vers elle pour lui dire, écoute, moi je ne travaille pas dans la connaissance ni scientifique ni théologique. La connaissance scientifique dit, 4 jours après, quelqu'un commence à pourrir, il y a des odeurs, il faut faire attention. Quand vous ouvrez, l'odeur va sortir, nous allons être mal à l'aise ici. Jésus ne travaille pas sur le terrain de la connaissance. Il lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, if you believe, si tu crois, simplement, Dieu te demande de croire. Alléluia. Ataka mwa lokupi ma doktora na sima bile biote alisema. Ni connaissance yake scientifique. Mungu asifiwe. Mungu amubariki. Yake neshia pale. Alléluia. Jésus dit à Marthe. Ouais Marthe, on a mashikio. Uko tokono na kuelezea. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. Oko mwana yango. Alléluia. Alléluia. Il a dit ôter la pierre. Il y avait une pierre visible, mais il y avait aussi une pierre invisible. La pierre invisible, c'était cette incrédulité que Marthe avait. Le Seigneur, il sent déjà. Et qu'on en a déjà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me rappelle, j'avais prié pour une maman qui avait 5 ans, 5 ans. Après avoir prié pour elle, quelques jours après, elle a trouvé un monsieur de 5 ans, 9 ans qui est venu l'épouser. Ah. Alléluia. Ou 5 ans, 5 ans, bana wak moa, bana impliqué na mari, bana fwa na mariage. Oui.
Je crois que le témoignage de notre maman qui est venue de l'Afrique du Sud doit nous fortifier. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Pour le problème de Jésus, c'est crois simplement. Quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Jésus ne parlait que de la foi, pendant que Marthe parlait de la connaissance. De la connaissance. Ça fait 4 jours. Est-ce que Yesus Christmas, ça fait 4 jours? Alléluia. On attend que vous finissiez mon goût. Alléluia. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a enlevé la pierre. Jésus a élevé ses yeux vers le ciel. Il a dit, Père, je te bénis, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et si j'ai prié ce matin, c'est afin que ton peuple sache que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Il a prié. Il a parlé au Père. Il dit, j'ai prié pour que Batuba Yuasa Onjolinituma. Sinon, je suis ta Koumba. Alléluia. Et quand Jésus a dit, pour moi, merci parce que tu m'as exaucé. Cela veut dire, Jésus, avant d'aller chez Lazare, il a prié pour que le Père ressuscite Lazare. Et après sa prière, le Père l'avait déjà exaucé. Mais pour que les gens sachent que c'est le Père qui l'a envoyé, c'est pourquoi publiquement, il a encore prié. Alléluia! Alléluia! Dieu m'a déjà exaucé pour ton travail. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour ta guérison. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour ton mariage. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour ta percée. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour ta guérison. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour tes études. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour ta maison. Amen. Dieu m'a déjà exaucé pour ton voyage. Amen. Alléluia. Il a déjà exaucé. Pendant que toi tu dormais. Alléluia. Pendant que j'ai prié la nuit, à un moment donné, le Seigneur m'a montré dans l'église. Il me dit, regarde, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'église dont les maris n'ont pas encore terminé la dot et donné la dot. Il m'en a montré. J'en ai vu même une que j'ai remarquée qui était habillée avec une jupe verte, avec un bébé. La blouse, je crois, elle était blanche, quelque chose comme ça, dans ma vision. Alléluia. Pendant que je les regardais, ils se mettaient debout. Et là, ils étaient là. Alléluia. Amen. Dieu dit, si elles croient, je vais les honorer. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Vous croyez? Oui. Ah. On a ce maintenant. Alléluia. Vous croyez, mais vous êtes là. Si on n'a pas encore fini de dot, on n'a pas encore donné la dot. Mets-toi debout. Alléluia. Vous croyez? Vous croyez? Oui. Vous croyez? Oui. Si vous croyez, recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow. Asseyez-vous. Que Dieu soit loué. Jésus a prié. Il a dit, Bayou Asema Wenjel Fanine. Olinituma. Et puis, il dit, Lazare, il appelle Lazare. Lazare sort. Alléluia. Je ne sais pas si c'est toi-même qui a été enfermé. Si c'est ton boulot qui a été enfermé. Tout ce que le royaume des ténèbres a bloqué dans ta vie, le roi des rois va appeler ça. Ça va sortir des sépulcres. Ça va sortir des eaux. Ça va sortir des montagnes. Ça va sortir partout où on a amené. Ça va sortir.
ça va sortir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va être absent dans le camp des ténèbres. Il y a quelqu'un qui va être absent dans le camp des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, le royaume des ténèbres va constater sa perte, il n'est plus là. Son argent n'est plus là. Sa maison n'est plus là. Ses biens ne sont plus là. Sa bénédiction n'est plus là. Jésus a dit, Lazare, sors. Écoutez. Ah. Il y a un verset, la Bible dit, Marthe, la sœur du mort, dit à Jésus, il sent déjà. Le verset que j'ai lu là, vérifiez dans la Bible. On l'a appelée Marthe, la sœur du mort. Comme la maman nous a dit, elle dit, je vais voir mon enfant. Il dit, c'est la maman du bébé aveugle. On commence à t'identifier par le problème que tu as. Alléluia. Il est une djinn alléo itaïcha. Il est une djinn alléo inaïcha. Il est une djinn alléo inaïcha. Alléluia. La Bible dit, Lazare sort. Et le mort sortait. Est-ce que vous comprenez? Le mort. Que Dieu soit loué. Pas les vivants. Les morts. Mouf. Dans ma toque. Michio, il y a le quoi parler. Quand on va aller chez maman. Quand on va aller en Jambio. Mais au moins mouf. Allez, toque. Alléluia. Je vais terminer par là. Je me suis toujours demandé quand j'ai lu cette histoire. Vous savez, là où il y a l'odeur de la pourriture, il y a aussi des mouches. N'est-ce pas? Alléluia. Ça signifie à cet endroit, il y avait déjà de l'odeur. Arufu kona toka. Yakuoza. Mais Jésus est arrivé là. Il n'a même pas dit. Mina shima misha kuoza. Mina omba. Mwiri ludiye. Mina vunja lufo. Mais non, non, il n'est pas allé à tous ces directement Lazare. Oh. Alléluia. Amen. Sur le champ. Arufu na chome. Baïs va na chome. Alléluia. Tout à fait na gage. Kai. Ba demo va ta chome. Baloche va t'achomer. Alléluia. Mon peuple y a visage, il t'achomer. Ma esprit à célibat, il t'achomer. Ma esprit à pauvreté, il t'achomer. Mina bengisha mou chômage, au nom de Jésus, benenga mou chômage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La Bible dit, le mort est sorti. Et Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. C'est tout ce que moi je vais faire aujourd'hui. C'est de te délier et de te laisser aller. De délier ton argent. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as entendu l'histoire de Lazare, on va les lire sur ta vie. Tu as entendu l'histoire de Lazare. Maintenant, on va les lire sur ta vie. On va les lire sur ta vie. Ta situation va changer. Ton statut va changer. Les choses vont changer dans ta vie. Tu as lu. Tu as entendu. Maintenant, on va les lire sur ta vie. Si tu le crois, acclame Jésus. Dieu est omniprésent, mais il ne manifeste pas sa présence partout. Alléluia. Il manifeste sa présence ici. Jésus est ici. Alléluia. Amen. Jésus est ici. Le maître est ici. D'un moment à l'autre, quelque chose va se passer dans ta vie. Acclame Jésus si tu le crois. Acclame Jésus si tu le crois. Dieu soit loué. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout, on va prier. On va prier le Seigneur. Tu vas faire le processus de Marie et de Marthe. Dans ta prière, tu vas prier le Seigneur en disant, Seigneur,
si tu eusses été là, telle chose n'allait pas arriver dans ma vie. Quand Marthe et Marie avaient envoyé le message à Jésus pour lui dire Lazare est malade, Jésus n'était pas parti pour aller guérir Lazare. Combien de fois as-tu prié et envoyé à Jésus par ta prière les messages, Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Jésus n'était jamais venu. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'aujourd'hui, que son nom soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Afin qu'aujourd'hui, son nom soit glorifié dans ta vie. Aujourd'hui, il est venu spécifiquement, particulièrement pour toi. Pour toi, pour un problème particulier dans ta vie. Je vois des miracles se produire dans la vie de certaines personnes. Je te vois témoigner au nom de Jésus. Je te vois témoigner au nom de Jésus. Nous allons prier. Remercions d'abord le Seigneur. Prions tous ensemble. Remercie le Seigneur. Merci pour cette parole que tu viens de m'envoyer. Merci parce que cette parole dans ma vie est esprit et vie. Remercie Jésus. Seigneur, écoutez, la Bible dit, Marie a parlé et Jésus a regardé Marie, elle a eu compassion parce qu'elle pleurait, elle suppliait. Jésus a eu compassion, elle a dit, amenez-moi là où vous l'avez mis. Je vais terminer ce dossier-là. Dis au Seigneur, si tu eusses été là, Alléluia. Si tu étais là, kama ulikuya hapo Yesu. Kama mambo fulani yakunifikie. Kama ulikuya hapo Yesu. Kama kitu fulani kikupotee. Kama ulikuya hapo. Lakini mimi najua. Mais je préfère que tu ne dises pas comme Marie, je sais. Je préfère que tu dises mais je crois aujourd'hui. Que si tu dis un mot sur ma vie, quelque chose va se passer. Je crois, Seigneur, aujourd'hui, si ta main est étendue sur moi, si tu me touchais, quelque chose, ma situation va changer. Seigneur, je crois que tu peux changer ma situation aujourd'hui. Je crois que tu peux me guérir aujourd'hui. Je crois que dans ma vie, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je crois aujourd'hui que mes rêves peuvent devenir réalité. Nous allons prier pendant ce moment. Parle au Seigneur, trois fois le nom de Jésus. Et nous prions, une, deux, trois. Oui. Encore. Prie mon bien-aimé, parle au Seigneur. Au balcon, il y a une dame qui a des problèmes abdominaux. Douleur, douleur dans les ventres. La puissance de Dieu est en train de te toucher pour te guérir maintenant. Maintenant, des douleurs des ventres, des douleurs des ventres. Au nom puissant de Jésus. Et ça sera fini. À partir d'aujourd'hui, tu ne sentiras plus. Tu as les problèmes de douleur des ventres. Les douleurs des ventres, ça commence, ça arrive quand la menstruation vient ou des fois même quand il n'y en a pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es au nom de Jésus. Mets ta main sur ton ventre. Je commande aux douleurs. Et à tout esprit derrière cela, de quitter maintenant, lâchez-la. Lâchez-la. Au nom puissant de Jésus, sortez d'elle. Partez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sortez d'elle. Il y a quelqu'un dans la salle. Tu rêves. Waouh, c'est encore une dame. C'est encore une sœur. Tu rêves. Il t'arrive de rêver que tu es en train de servir, de travailler. On a tout mis comme ça, on a servi. Comme ça, comme un restaurant, quelque chose comme ça, en train de servir, en train de servir, comme un restaurant. Comme ça, c'est l'esprit de servitude. Et naturellement, visiblement, tout ce que tu fais, rien ne marche. A bien dès que comme tout moi, mais là où tout moi taïch. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La soprédia sokero monoshike. Quelqu'un d'autre aussi a un autre problème. C'est un problème quand tu respires, des fois ta respiration, quand tu tires, on a goûté un peu pour ça qui est tout le monde qui n'a goûté.
et ta respiration est difficile. Ta respiration est difficile. Le Seigneur va te guérir aujourd'hui. Et ça sera fini, ça ne reviendra plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Écoutez, bien-aimés, vous qui n'avez pas de boulot, vous qui n'avez pas de travail, la soproédia sokero monoshiken power. Ce que vous avez entendu n'est pas simplement des exemples, ce n'était pas des exemples. Dieu parle sur toi. Dieu parle sur toi qui n'as pas de boulot. Amen. Ça fait 10 ans que tu n'as pas le travail. 10 ans. 10 ans que tu n'as pas le travail. 10 ans que tu n'as pas le boulot. La soproédia sokero monoshiken power. Dieu est tout puissant pour annuler ces 10 ans. Tu oublieras ces 10 ans parce que le Seigneur te fait grâce. Un miracle vient dans ta vie au nom de Jésus. Un miracle vient dans ta vie au nom de Jésus. Un miracle de travail. Tu vas avoir un travail miraculeusement au nom puissant de Jésus. Là, c'est prédia sokero monoshiken power. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux. Il y a la puissance de la guérison. Jésus est ici pour toi. Jésus est ici pour toi. Elle a les problèmes de respiration, celle-là. Elle a les problèmes de respiration. Seigneur Jésus, merci pour ce miracle. Finis ce problème-là au nom de Jésus. Elle respire bien. Plus de douleur, plus de douleur. La respiration rentre normale. Normale, normale, normale. Merci Père parce qu'elle respire bien. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Merci parce qu'il n'y a plus de douleur dans sa respiration. Toi esprit de mort, pars. 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 Au nom de Jésus. Pars. 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 Au nom de Jésus. Gwenda, merci Jésus. Mettez la l'onction. Elle est guérie. Elle est guérie. Merci Père. Jesus mighty name. Relevez-la. La soprea rosa scorino shira in escorados. Debout, ma fille. Comment ça va? Je sens fatiguée. Je sens fatiguée. Oui. Oui. Comment tu sens ta respiration? Tu m'as à respirer. J'ai très mal. Tu avais très mal à respirer? Oui. Maintenant, respire d'abord. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Calme-toi. Debout. 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 Ok. Respire. Respire. Comment ça va? Je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Tu respires bien? Oui. Jésus t'a guéri. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci. Wow. Le maître est ici. Merci. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. La soprédia sekerene chique. L'onction est partout ici aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La soeur qui a les problèmes abdominaux, des douleurs de ventre, c'est le jour de ta guérison. Rado se prédit à Sokero Monoshika Yaraba papa 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 papa. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner du temps. On va prendre une pause. Je vous donne le temps d'ôter la pierre. Je vous donne le temps de faire quoi? Ôter la pierre. Et puis on revient. Ça sort. Ça va sortir. Alléluia. Quel que soit aujourd'hui, quel que soit là où on a amené ton argent là. Ça va revenir. Amen. Alléluia. Il y a des gens que cette semaine, vous allez expérimenter une solution miraculeuse dans un problème. Au nom de Dieu. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage de la maman dont le véhicule a connu l'accident. Hein? Dieu est venu la visiter pendant la nuit. Il lui a donné des instructions, même la manière de prier, même une langue pour résoudre les problèmes. Une langue de guérison qui a guéri, qui a touché les gens qui avaient des problèmes et qui a résolu la soproédia sokero monoshika. Reçois cette langue-là au nom de Jésus. Reçois la langue qui va résoudre le problème que tu as. Reçois la langue qui résout le problème que tu as. Reçois cette langue au nom de Jésus. Tu vas revenir la parler.
ôtez d'abord la pierre. Merci Seigneur.